Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super. Yo tout le monde, Sofiane le Geek, on se retrouve en vidéo cette fois-ci pour regarder le combat de Goku contre Saitama de One Punch Man. C'est une vidéo qui a été réalisée par un youtubeur qui se nomme Etoilec1Animation. Je vous mets directement sa banderole de chaîne et n'hésitez pas à aller faire un tour dans la description pour retrouver toutes les informations. Bien évidemment, avant de tourner cette vidéo, je lui ai demandé l'autorisation de pouvoir diffuser son contenu. Alors attention, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Je n'ai encore rien vu de ce fameux épisode de Goku contre Saitama. C'est vous qui avez été nombreux et nombreuses à me demander de réagir sur cette vidéo. Eh bien, ça va être chose faite. J'espère que c'est bien, j'espère que c'est propre. On verra, il y a eu pas mal de très bons retours et j'ai hâte du coup de voir à quoi ça va ressembler. Comme d'habitude, max de pouces bleus. Allez, les Dragon Ball. Donc là, on sait que Shenron normalement devrait apparaître. Ok. Logique, s'il y a les Dragon Ball, Shenron apparaît. Donc là, il va y avoir un vœu de fée. Toi qui as rassemblé les 7 Dragon Ball, fais un vœu. Donc voilà, ce qui est bien, c'est que c'est traduit. J'avais peur de ça, c'est traduit. Je peux exaucer n'importe quel vœu. Ok. Donc c'est Goku qui a demandé. En vrai de vrai, le Goku, il est pas si dégueulasse que ça. Hein. Il y a un petit chara-design assez sympathique, un coup de crayon sympathique tout de même. J'ai besoin d'un peu d'exercice, j'aimerais affronter l'être humain le plus puissant. Ton vœu a été exaucé. D'accord, donc ok, il a fait un mini-scénario en mode Goku ne peut plus s'entraîner, tout ça, Vegeta ne veut pas s'entraîner avec lui, il voudrait affronter l'humain le plus puissant. Et forcément, oh par contre, oh Saitama il est beau. Hein. Bon, en même temps Saitama a un chara-design assez simpliste. Mais il est quand même bien fait. Hein. Il est quand même bien fait. Et par contre moi, c'est les voix officielles. Hein. Le youtubeur hein, Etoilec1 a repris les voix officielles. Il y a un gros taf derrière. Hein. Il y a un très gros taf derrière pour, voilà, à chaque fois qu'il fait bouger la bouche, il colle les passages qu'il a repris dans l'animé, que ce soit pour Saitama ou que ce soit pour Goku. Hein. C'est ouf quand même. C'est incroyable. C'est ouf. Le taf qu'il y a eu derrière. Moi, j'imagine en fait le travail qu'il y a eu derrière. Donc on va voir. Alors, après, il faut voir l'animation, tout ça. Donc voilà, là, il y a Goku. Pas mal les traits de Goku. J'aime bien l'expression de visage. C'est l'expression de visage de Goku, tu vois. Après, il y a un coup de crayon qui est défini par lui-même, hein, par le youtubeur. Très, très belle. Très beau profil de Goku. Donc là, ça, ils sont face. Ils sont face l'un à l'autre. Très bien fait, Saitama. Très très bien fait, Saitama. Oui, la menace de niveau dieu. Il n'y a rien ici. L'organisation s'est moquée de moi. Merci d'être venu. Il est très bien fait, Goku, là. Il est très bien fait, Goku. J'ai l'impression que plus on avance, plus ça devient bien fait. Puis c'est bien, tu vois, le fait qu'il fasse bouger un peu les cheveux, tu vois. Voilà, il n'y a pas fait que des plans fixes qui ne bougent pas. Il y a les cheveux tout de même qui bougent un petit peu. Il anime. Battons-nous sans retenue. Ouais, Goku, ouais. Ce gars, se pourrait-il que... Dans ce cas, je vais rapidement monter au rang S. Aïe! Aïe! J'aime beaucoup le profil de Goku. Je ferais mieux de rester sur mes gardes. Oh, très bel effet. Hein. La pupille, pas mal. Hein. Très intéressant. Hein. Oh, il est super bien fait. Ça me fait penser à la posture de Goku Xenoverse. Ah ouais. Ah oui, non mais la transfo, les gars, il y a de l'animation là. Oh lolo. Ah ouais, non, c'est bien animé quand même là. Okay. Ouf. Non mais s'il vous plaît. Il y a une animation de dingue là. Oh là. Oh. Oh lolo. Quelle puissance! Je n'ai jamais pris un coup de poing aussi dur que celui-là! Sauf que là, ça suffit pas pour Goku. Oh là là! Oh, incroyable, Saitama! Oh ya! Yeah. Oh la dinguerie!
Oh la dinguerie. Oh la dinguerie. Oh, il y a du taf derrière. Oh le taf. Oh le taf. Non mais les gars, dites-vous, c'est un mec dans sa chambre en slip qui a fait ça. Tu vois ce que... Bon, j'ai rajouté le slip, mais... Oh lo 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 lo. Oh. Incroyable. Incroyable. Le troll de Saitama. Mon coup ne lui a rien fait. J'aime beaucoup les expressions de visage de Goku. Oh là. Oh là. Ish. Par contre, normalement, Saitama, on est habitué que dans son manga, quand il met un coup de poing, c'est terminé pour l'adversaire. Là, c'est Goku. Oh, incroyable. Ah ouais, là, c'est... Waouh. D'accord, il passe par-dessus. Ouf. Oh lo 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 lo. Non, les gars, hey, y a du taf de fou, là. Il y a du taf de fou derrière. Par contre, vous n'allez pas me dire que c'est Goku qui perd. C'était ça, la menace. Mais non. Il part. Non, par contre, faut pas faire perdre Goku. La vérité. Ah. Oh, Super Saiyan Blue. Voilà. Oh, la... Oh, le cri, c'est le cri du film La Revanche de Couleur. Quand Goku se transforme en Super Saiyan, il a repris ce hurlement. Il est incroyable. Super bien fait, le Goku. Super bien fait. Oh. Je ne pensais pas devoir utiliser le Super Saiyajin Blue contre un être humain. Incroyable. Oh la 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 la. Ouf. Oh la 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 la. Non mais c'est super bien animé, les gars. Eh mais je sais pas s'il y en a qui se rendent compte. L'animation est super bien. Oh là là. Oh, oh. Alors, franchement, là, exceptionnel le travail qu'il a fait. Exceptionnel. Oh là là. Ah ouais, là, il le déboîte. Ouf. Première fois que Saitama reçoit des coups comme ça. Je tiens quand même à le préciser. Oh là là. Après, bon, Saitama, c'est un personnage troll. Il est KO ou vous savez, Goku a gagné? Ah ouais, non. J'ai enfin trouvé un adversaire digne. Chaque cellule de mon corps est excitée. Oh, oh là 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 là. Incroyable. Il est rapide, je ne l'ai même pas vu arriver. Alors que Goku est en Super Saiyajin Blue. Oh, le dessin de Saitama. Oh. Ah franchement c'est pas mal hein. C'est vraiment pas mal ce qu'il a fait hein. Oh. Oh la 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 la. Non mais les gars c'est incroyable. C'est incroyable. Ah ça y est Goku aussi il réplique. Kamehameha. Oh là 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 là. Incroyable. Oh là 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 là. Hey. Mais non. Oh le dessin. Oh les effets. Oh là là. Ah, il a arrêté son Kamehameha. Oh. Oh. Il a eu les prémices de l'Ultra Instinct. Oh là là, incroyable. Non, franchement, extraordinaire. Extraordinaire ce qu'on vient de voir. Là, c'est extraordinaire. Les gars, je suis scotché. Je suis totalement scotché. On vient de voir, on vient d'assister à une animation de fou. Mais attends, c'est un mec dans sa chambre qui a fait ça. Je sais pas si vous imaginez, mais ce genre de personnes, faut les recruter à la Toei. Non mais vraiment, il y a des passages de sa vidéo qu'il a fait
dans sa chambre. Bon, il a dû être aidé avec plusieurs d'autres personnes. Des fans ont fait ça en mode, on fait ça en mode fan. Tu vois ce que je veux dire? Alors que des fois, dans Dragon Ball Super, oui, je le dis, il y a des passages beaucoup moins bien animés que ça. Donc, voilà, franchement, bravo, bravo. Il n'y a rien à dire. Franchement, bravo, je tire mon chapeau. Merci à vous, la communauté, de m'avoir dit de regarder cette vidéo et de réagir, parce que là, franchement, j'ai été bluffé. Franchement, bravo à ce YouTuber. Encore merci, les amis, d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, en activant la cloche pour recevoir toutes les notifications. Franchement, je suis scotché. Et j'ai hâte de voir la partie 2 avec les prémices là de Mirete no Goku. Et moi, je veux que ce soit Goku qui gagne. L'univers d'Akira Toriyama est bien trop gros. Saitama, c'est un perso troll, ok, mais Goku, c'est Goku, les amis. Sur ce, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao! Hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek. Ça a l'air super! Non, 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 non! Yeah!